Vendredi 14 octobre. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres. Signature de la déclaration d'Alger, les efforts de l'Algérie salués par de nombreux pays. Nous reviendrons ensemble sur ce document, mais aussi sur les réactions en Palestine et sur la scène internationale. Nommer un président de la transition, c'est l'objectif des assises nationales au Burkina Faso. Elles se sont ouvertes ce vendredi et quelque 300 personnes y sont rassemblées. Le Liban échoue à élire un président une nouvelle fois. La séance au Parlement a été levée faute de quorum. Le ministre britannique des Finances démis de ses fonctions. Il confirme son limogeage en publiant une lettre sur son compte Twitter après plus d'un mois à la tête du Trésor au Royaume-Uni. Événement historique hier à Alger. Je vous parle de la signature de la déclaration d'Alger. Les chefs des délégations palestiniennes participantes ont paraphé solennellement cet accord de réconciliation portant sur 9 points importants, dont notamment l'organisation des élections législatives et présidentielles dans un délai d'une année. Imen Merad. Un accord historique salué par l'opinion internationale. Dans un communiqué, le ministère libyen des Affaires étrangères et de la coopération internationale a glorifié la signature de cet accord issu de la conférence d'unification des rangs palestiniens, qualifiant cette étape de positive menant vers la voie de l'unité nationale et de la consolidation du projet national d'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. Dans le même sens, le ministère des Affaires étrangères a réitéré le soutien de l'État de Libye à toutes les initiatives visant à mettre fin à la division et à réaliser l'unité nationale, encourageant toutes les parties palestiniennes à privilégier le dialogue afin de surmonter les divergences pour renforcer la détermination du peuple palestinien à résister à l'occupant sioniste. La Turquie a tenu à saluer les contributions permanentes de l'Algérie au processus de réconciliation entre les Palestiniens, tout en espérant la mise en œuvre des points inscrits dans la déclaration d'Alger, notamment l'organisation des élections. Le ministère qatari des Affaires étrangères s'est félicité de cette signature, faisant part de sa profonde gratitude pour la République algérienne démocratique et populaire pour son rôle dans le parrainage des pourparlers interpalestiniens. Le Qatar a affirmé qu'il soutenait toutes les mesures visant à mettre fin à la division et contribuant à la réalisation de l'unité nationale palestinienne. Autre soutien exprimé à la déclaration d'Alger, venant cette fois-ci de Moscou, qui a salué la signature de l'accord de réconciliation sous l'égide bienveillante de l'Algérie. À quelques jours du sommet arabe, le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra a précisé que la déclaration d'Alger représente une initiative de bon augure et de message clair appelant à l'unification des rangs arabes à l'image de ceux des Palestiniens. Lamamra a souligné que la Palestine demeurera la cause noble des Arabes autour de laquelle ils devront s'unir et oublier leurs différends. Et de son côté, le ministère tunisien des Affaires étrangères a salué dans un communiqué les efforts de l'Algérie et salue le haut patronage du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans le rapprochement des factions palestiniennes, tout en exprimant sa pleine satisfaction quant à la signature de la déclaration d'Alger. C'est le cas également pour l'Union européenne, le Sultanat d'Oman, mais aussi la Chine. Et puis ces images de Palestiniens exultant de joie à Al-Quds après l'annonce de la signature de la déclaration d'Alger. Des scènes de liesse et de satisfaction chez les frères palestiniens brandissant le drapeau national algérien. On va en parler avec notre invité qui nous rejoint en direct, M. Ziad Medour, directeur du département français et université de Gaza. Bonsoir. Bonsoir. Donc la déclaration d'Alger, dont la signature a été scellée par les factions interpalestiniennes, a été largement saluée, on vient de le voir, par la Libye, le Qatar ou encore la Turquie. Quelle suite des événements en Palestine ?
Écoutez, d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je pense qu'il y a trois réactions dans les territoires palestiniens. Donc, il y a une réaction très positive. On salue le rôle de l'Algérie. Il y a eu des rassemblements, donc à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, pour saluer et surtout pour remercier et apprécier les efforts de l'Algérie qui a fait un pas considérable pour unifier les institutions et pour reprocher, donc rapprocher donc les points de vue entre les Palestiniens. Donc c'est un accord assez historique pour nous. Deuxième réaction donc positive par rapport à la déclaration d'Alger, par rapport au contenu de cette déclaration que les Palestiniens ils ont dit, puisque c'est l'Algérie qui est le garant de cette déclaration, de cet accord, donc il y aura une forte chance que cette fois il y aura une application. Mais il y a une vision un peu pessimiste. Ils ont dit que il y a malheureusement un désaccord entre les Palestiniens. Et surtout, dans le passé, il y avait beaucoup d'accords qui ont été signés à la Mecque, en Turquie, au Qatar. Mais cette fois-ci, ils espèrent beaucoup les Palestiniens l'application de contenu de ces accords. Parce que le plus important, c'est pas signer. Parce que les Palestiniens, ils ont l'habitude de signer, de faire des pourparlers. Mais le plus important, donc, il faut attendre les jours, voire les semaines qui viennent, parce que la situation est explosive dans les territoires palestiniens avec la poursuite de l'occupation, la poursuite de le blocus de Gaza. Mais en général, donc, la réaction est très positive parce que cette fois-ci, c'est l'Algérie. Et l'Algérie, historiquement, dans le passé, actuellement et demain, c'est un pays qui soutient toujours la cause palestinienne. C'est pour cela, le fait que Merci. l'Algérie regroupe les factions et les partis palestiniens, je pense, c'est un signe positif. Je pense que c'est un point très positif qui va encourager les Palestiniens à appliquer. C'est pour cela qu'il y avait une satisfaction, il y avait une réaction très positive par rapport aux efforts de l'Algérie, par rapport à la déclaration d'Alger. Et on Oui. espère que les factions et les partis politiques vont être, d'une part, à la hauteur des efforts de l'Algérie et surtout à la hauteur des revendications de ce peuple palestinien courageux qui continue à lutter pour l'indépendance, pour la libération de la Palestine et pour la déclaration d'un État palestinien libre et indépendant avec Jérusalem comme capitale. Merci Ziad Medour. Donc, des réactions positives suite à la signature, on le rappelle, à quelques jours seulement du sommet arabe prévu à Alger. Vous êtes directeur du département français à l'Université de Gaza. Vous étiez en direct avec nous. Et dans le même temps, l'oppression des forces sionistes se poursuit en Palestine. Deux citoyens sont tombés en martyrs sous les balles des soldats de l'entité sioniste hier. Le drame s'est produit dans le secteur de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée. Information rapportée par le ministère palestinien de la Santé. Et puis en Libye, Abdoulaye Batili, le nouvel émissaire du secrétaire général de l'ONU, a annoncé son arrivée à Tripoli où il prend ses fonctions officiellement. Il a déclaré, je cite, Je vais mettre en œuvre les bonnes intentions de l'ONU et jouer mon rôle de médiateur pour aboutir à un règlement pacifique et durable mené par les Libyens. Fin de citation. L'actualité, c'est aussi la cause sahraouie qui gagne en soutien international, un soutien factuel traduit par des positions constantes en faveur du droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui. Des acquis diplomatiques dans ce sujet, signé Amin Touta. La dernière colonie du continent africain, le Sahara occidental, est une cause qui s'impose sur la scène mondiale à travers un soutien et des réalisations qui témoignent une fois de plus d'un principe inaliénable, le droit à l'autodétermination, un droit prescrit conformément à la légitimité internationale. Plusieurs intervenants de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York ont estimé que le Sahara occidental était un cas de décolonisation et d'occupation. Dans ce registre, des pays à l'image de l'Angola, l'Éthiopie ou encore la Namibie et le Mozambique ont exprimé unanimement leur soutien à la cause sahraouie et la justesse de son combat et au principe de l'autodétermination qui passe par l'organisation d'un référendum conformément aux résolutions de l'ONU, mais également celle de l'Union africaine, notamment l'article 15-14. Une position précédée par la dernière publication au mois de septembre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la nécessité de trouver une solution permanente à l'occupation du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra lundi à New York une réunion des pays contributeurs à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, la MINURSO, alors que l'organe onusien s'apprête à examiner fin octobre le renouvellement du mandat de la mission.
La cause sahraoui gagne en soutien international et c'est le cas de le dire. Le Kenya réaffirme sa position de soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance et l'autodétermination. Un soutien réaffirmé par le président kényan William Samoei Ruto lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur sahraoui au Kenya, Abba Elmad Abdallah. Le président kényan a souligné que, je cite une nouvelle fois, « notre liberté ne sera accomplie que par la liberté du peuple sahraoui » avant d'ajouter « nous défendrons fermement votre droit ». Fin de citation. Ils sont 43 000 à avoir été touchés par des inondations au Cameroun. Aucun décès ni blessé n'est à déplorer, mais ces inondations dévastatrices ont forcé ces dizaines de milliers de Camerounais sinistrés à l'exil. L'extrême nord du pays est particulièrement touché en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours. Autre conséquence, les sinistrés restés sur place sont obligés de se déplacer en pirogue à travers les villages engloutis. Ouverture des assises nationales au Burkina Faso, objectif nommer un président de transition. La rencontre se tient au centre de conférence de Ouagadougou. Ces assises rassemblent quelque 300 personnes représentant l'armée et la police, les organisations coutumières et religieuses, la société civile, les syndicats, les partis et les déplacés internes victimes des attaques terroristes qui frappent le Burkina depuis 2015. Au Liban, le Parlement échoue à élire un président une nouvelle fois. La séance du Parlement a été levée faute de quorum. Seuls 71 députés étaient présents sur un total de 128. Il y a une semaine, une première séance pour l'élection d'un chef de l'État s'était tenue, mais aucun nom n'avait reçu un nombre suffisant de voix. Le président du Parlement, Nabih Berri, annonce une nouvelle réunion fixée au 20 octobre. Abdel Latif Rachid, nouveau président en Irak. Il a été élu par les députés irakiens. Cet ancien ministre de 78 ans nomme à son tour le politicien chiite Mohamed Shia al-Soudani au poste de premier ministre désigné, le chargeant de réconcilier les factions chiites en conflit et de former un gouvernement un an après les dernières élections dans le pays. Et puis au Kazakhstan, les dirigeants de la communauté des États indépendants se réunissent pour le Conseil des chefs d'État de la CEI. Le président russe Vladimir Poutine donne une conférence de presse après le sommet. Dans ses déclarations, il indique ne pas voir l'intérêt de pourparler avec son homologue américain Joe Biden et assure ne pas prévoir d'élargir la mobilisation partielle qu'il a annoncée il y a 3 semaines pour le conflit en Ukraine. On écoute. Nous devrions lui demander s'il est prêt à avoir de telles discussions avec moi ou non. Je n'en vois pas la nécessité pour être honnête. Il n'y a pas de plateforme de négociation actuellement. La question de ma visite là-bas n'a pas encore été définitivement décidée. La Russie participera certainement à ces travaux. Sous quel format, nous y réfléchissons encore. Et pour l'instant, il n'est pas question de négociation directe avec l'un des membres du G20. Rien d'autre n'est prévu. Le ministère de la Défense ne m'a pas fait de nouvelles suggestions et je n'en vois pas la nécessité à l'avenir. Nous ne nous donnons pas pour mission de détruire l'Ukraine. Ils ont coupé le flux d'eau vers la péninsule de Crimée où vivent 2,5 millions de personnes. Au Royaume-Uni, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, limogé par la première ministre Liz Truss, après plus d'un mois à la tête du Trésor, l'ex-chancelier confirme sa démission en publiant une lettre sur son compte Twitter. Il écrit, je cite, « Suivre le statu quo n'était tout simplement pas une option ». Fin de citation, une décision qui intervient après les bouleversements financiers provoqués par le plan du nouveau gouvernement du 23 septembre visant à réduire les impôts. La crise du carburant qui persiste en France à la suite de nombreux mouvements de grève qui sévissent chez les groupes Total Energy, la CGT, l'un des principaux syndicats en France, appelle à la reconduction de la grève après l'échec des négociations, après plusieurs jours de blocage. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui? Élément de réponse avec Redim Batash.
Ces éléments de réponse, nous les aurons lors de notre prochaine édition. Rendez-vous donc demain à 19h. Merci de votre attention. L'actualité continue sur Al24 News. Nos réseaux sociaux s'affichent au bas de vos écrans. Je vous retrouve donc demain. Excellente soirée.